si fini, mesdames et messieurs, ou pral saisi tande comment, eh bien, yon mette la patte sur un policier boy en dans institution, eh bien, capturé un camion zam pour pote ka éviter l'homme. Mais qui sa ki Haïti a, je ne jodi a, policier a kap travail pour le bay pays à sécurité, yon dit protéger et servir, eh bien, lui-même là, bagay sa ou pas nan tête li ki donc, li entre dans gang nan volo ak vite l'homme la tourné zam l'état zam institution pour le porter by chef gang assassin volo kidnappé vite l'homme nan pays d'Haïti kap théoriser moun kap touye moun kap kidnappé moun kap volo a fè moun nan pays ça qui mette moun torsel peigné moun route frais Pétionville hein Thomasin 15 coffres Fort Jacques assassin vite l'homme mette moun sa yo et ben sans sommeil et jodi a la ou jeune policier qui en dans institution et puis qui nan connivence ak bandi. Est-ce que pays ça a bon? Est-ce que la police la a ka fait face à gang yo laisser policier ou même en mais qui c'est véritable obstacle là? C'est yo kap bay bandi information, c'est yo kap di bandi mais ceci mais cela mais qui ça pral fait la police pral faire telle opération préparer nous ti messieurs. Pays a fini. Nous pas parler trop, nous pas inviter au gain plus détail ou pas saisir dans des causes gain dans pays d'Haïti et laisse ou même qui te commente en bas vidéo pour dire nous qui soit pensé des policiers ça. Est-ce que monsieur t'a dû dans prison ou bien t'a dû sanctionner monsieur seulement on simple sanction ou bien mettre monsieur dans prison pour le piger en 4 5 l'année en dans prison. Parce à travers bandio qui au même pendant des années où ça va quand même victoire pour la police quand même pendant des années où ça au bandio qui continue à perdre. Plinio, je vais dire, dans l'espace de 24 ans de temps, environ 9 bandits perdent la vie, et 9 bandits qui trouvent dans plusieurs départements, tant que le département de la Tibonite, tant que le département de l'Ouest, précisément au niveau de Delmas-Fatoire, côté que les plus passés 4 bandits qui s'allient avec M. Vitelomio, et là pour se passer, et ouvert balle sur le niveau de Delmas-Fatoire, et bien M. Sarokio, même, je ne vais pas dire, qui a pu laisser mortellement, et sans oublier au niveau de Delmas-75, eh bien, on présume braqueur qui est habitué justement à faire gaffe aux populations. Eh bien, la police vit de la paix. Et nous avons dit, sans oublier l'arrestation qui a fait, nous avons dit, il y a un chef gang, mais qui lui-même, jeune arrestation au niveau du département, au niveau du département de l'Ouest également, au niveau commune de Carrefour, l'hôpital Albert, c'est des Vikini, chef gang qui a opéré dans le département de l'Ouest, et bien, il s'est venu prendre soin dans l'hôpital Vikini de Carrefour. Eh bien, la police a eu posé l'arrestation, le renouer, dernier jour, ça la police quand même qui commence à dénicher sur les bandits, et bien, déconseille avec la population qui continue justement à rester quelques l'autre. Et nous, également, nos agents policiers qui arrivent à détecter là, et qui ont détourné un camion dans la munition qui était relativement proche de l'audio. Et bien, nous, agents, on voit ça, que la police déjà a cherché là, et même qui t'a connu avec Don Vite l'homme, non, et là, messieurs, contrairement à jour passé, nous, les gens, en pile beaucoup plus les affaires. En plus, le bandit déjà tombé dans le cadre de sécurité et pourquoi pas, mesdames et messieurs. Et avant même que nous commencions, mesdames et messieurs, j'en que nous toujours fait dans l'émission, hein, et laisser faire un mot, nous toujours dire, nous prenons temps pour nous saluer et Mounsa pour fête li. Eh bien, je dis à là, nous avons fait des taux aux garçons en parlant de Claudie Salomon. Salomon qui a fait et fête li jeudi à, et puis également Dr. Claude Joseph. De M. Sayo, eh bien, m'a demandé nous, mesdames, messieurs, si vous avez possibilité, eh bien, en bas live là, ou si nous avons possibilité pour nous écrire personnellement, eh bien, souhaitez une bonne fête pour nous, dans notre channel Mouna Fait Bon TV, non, non, ou même, eh bien, nous disons bonne fête, et mesdames, messieurs, je veux que nous suivre sous écran, de tous les garçons Sayo, cap célébrer anniversaire, yo, et j'en nous dis en pile santé, en pile et succès dans le projet futur. Oui, on nous avancé avec l'actualité. Hein? Non, par contre, si Pradel correct, maintenant, nous sommes pas tout bon. Pradel, nous salue également. Voilà, et bon, c'est dans quelques minutes, et Pradel a pris les nous-bac. Mais problème, dans la crise Haïti, oui, on est dans le monde, dans le téléphone, mon nom, oui, où est là où sont l'autre monde qui répond. Laissez bon, mon nom, voix changer. Mes amis, nous mêlés. Bon, et là, nous, on nous a avancé, et le temps que Pradel retourne nous appelle là pour nous modifier. Voilà. Le temps que Pradel retourne nous appelle là pour nous poursuivre avec l'actualité. Hein? Mais on nous commence directement, frère Pam, j'en nous dis c'est anniversaire, et Salomon, puis et Dr. Claude Joseph. Mais avant ça, bon, une seconde pour moi, est-ce que vous voyez. Eh bien, on a poursuivi avec l'information, yo.
Allô? Oui. Bon, je souhaite aussi prendre le mieux. Prenez le bon là. Évidemment, nous avons quelques extraits vidéo pour également. Mais on est déjà entré avec dossier ça. Mesdames, messieurs, c'est très sérieux. Eh bien, yon policier boy qui détourne yon camion. Comment t'es capable de comprendre ça? Yon policier qui osait détourner yon camion pour aller porter balak, munitions et zames, by bandit, by gang, vite l'homme. Mes amis, la note qu'on a dit la bagaille yon plus grave que nous t'es capable de comprendre. Et on touche ça. Eh bien, et n'a poussé, n'a entamé avec information sur la dimine, ouais, et, ouais, policier, et Laurent, policier Boyd, qui lui-même répond au nom de Laurent Lodgison, qui fait partie encore une fois, policier Boyd là, lui-même, qui, désormais, et la police a recherché, de ce pays a recherché par rapport à détournement, yon camion, yon, cargaison de armes avec munitions, qui fait en faveur, eh bien, et police nationale là, et monsieur qui est en connivence avec gang de l'homme, ça a eu détourné camion et cargaison d'Ampa avec munitions encore une fois en faveur de monsieur de l'homme. Donc, on a rappelé au individu de cela, appelé Laurent Lodgison, qui était responsable, et communication, et bien, unité qui a opéré. Donc, responsable, communication, sans doute, opération, toute opération qui a mené par unité Boyna, c'est lui-même qui est responsable et communication. Ça veut dire, ouais, à qui niveau le policier, pendant qu'elle fait responsable communication, il était boy là, eh bien, il y a un connivence avec vite l'homme, côté qu'il détournait son camion, son cargaison, dans la munition en faveur, monsieur vite l'homme. Donc, on va visiter en gros, nous sommes prenants des législations, mesdames, messieurs, auditeurs, auditeurs, chanel, nous l'avons dit, nous la police, nous sommes là, où il est finalement détecté, il est démasqué, plus jeune policier, qui aurait un connivence avec gang, nous prenons d'abord notre qui se sortit, la police, nous avons environ 500 policiers qui ont eu un connivence avec Bandio, d'après France LD, et bien nous, les derniers, nous savons, après que c'est fini justement, il est arrêté. Et cousin vite au niveau de l'organe, et bien nous, récemment là, ils ont arrivé et découvert un policier qui est au nom de Laurent Lodgison, qui ne fait partie de l'unité Boyd là, qui s'est détourné en faveur vite l'homme, ils ont calé dans la munition pour avoir justement porté la munition. Donc, quand même, pour les derniers, nous, encore une fois, la police a frappé à quel point. Même si l'opération sonate est un peu critiquée, il n'y a pas trop de fiers par rapport à ça, mais quand même, il y a quelques quand même découvertes qui fait par rapport avec certains policiers qui ont connu avec Bandio, qui a déjoué et travaillé à la police. Souvent, les policiers parlent de même opération. Il y a des policiers qui ont essayé de l'unité, qui toujours a communiqué avec Bandio pour retirer le corps, nous prendre la tête. Et bien, par ça, quand même, nous avons dit bravo quand même. Pour quête et détection qu'a fait au sein de la police, des policiers qui ont même des rapports avec les gangs de Dieu. Voilà, et puis c'est une raison tout, mesdames, messieurs, ou capable, à chaque fois qu'il y a opération, à chaque fois la police a mené opération, autant de, et à nous dire dans base, vite l'homme, autant de vite l'homme quand on courir, autant de tel groupe gang quand on échappé, il n'y a pas de jeune capable de prendre un gros chef, yo. Et bien c'est exactement ça. Donc, et, en tout cas, nous avons suivi l'image là, et c'est monsieur ça là, pour qu'on y a là, monsieur gagne avis de recherche de elle. Donc, c'est, mesdames, messieurs, c'est exactement ça, nous comptons toujours dit. Il y a trois mauvais grenades dans la police. Il y a trois mauvais policiers. Comment font l'opération à mener pendant ce temps? C'est où responsable de communication? Moi j'espère que nous avons des charges là. Hein? Responsable de communication, c'est lui-même qui détourne camion, détourne armes, détourne munitions et non profite vite l'homme. Mes amis, bah, c'est très très grave. C'est extrêmement grave. Mais n'empêche, je nous dis au moins, il a détecté, il y a qui est. Mais monsieur est certain, ce n'est pas lui-même seul. Parce que monsieur, ça a toujours une complicité avec vous. Il y a toujours l'autre monde avec vous. Nous allons laisser West, si nous sommes capables de faire l'autre tentative avec Pradel. Et Pradel, nous saluons. Oui, on se encore. Nous saluons tous les amis, sans plaisir. Et bien, pour nous-mêmes, nous sommes capables de former nous. Et nous devons se dire qu'on a un plus de normal. Oui, oui, qu'on a un Pradel, voix sexy là. Voix sexy. Oui, on le prend encore, nous saluons tous les amis, son plaisir, et bien pour nous-mêmes, nous sommes capables d'informer. Et bien, nous pouvons aller directement au niveau de l'information chassée, après, et dominer l'actualité, il y a à travers les pays et d'Haïti. Et bien, nous pouvons aller directement au niveau de la capitale, là, et bien pour nous dire qu'il y a un policier, et bien, policier, ça, mes amis, et que c'est lui-même qui est responsable des communications au niveau de Boy. Eh bien, monsieur là, eh bien, à chaque fois que la police a travaillé, c'est lui-même qui est toujours là, et qu'il travaille avec les policiers, et bien, jusque, bon, ça lui-même, et monsieur, c'était un danger pour la police, et bien, pour dire que
n'a pas gardé là, qui est Laurent Lodisson, et bien, monsieur lui-même qui est dans l'unité Boyd, et bien, la police nationale, monsieur, qui a recherché, et bien, pour, et il n'est pas unité à pour, que monsieur lui-même qui est arrivé détourné en cargaison d'armes, et puis munitions, en faveur du groupe gang, et vite l'homme là. Et nous connaissons que Jean-Claude a cherché vite l'homme, et bien, monsieur lui-même qui était responsable, communication de toute opération menée par unité à. Mes amis, nous, on a quitté la police, on a dit que, c'est monsieur responsable, et bien, toute unité, et au niveau de la police, et bien, responsable communication, c'est-à-dire que c'est monsieur qui vient toutes dernières informations, les premières informations, c'est que monsieur lui-même, c'est pour les groupes d'un an que lui-même, lui, à travail, et des gens que nous, à part, Laurent et Lodisson, et bien, les photos que nous, on a regardé là, et bien, ces photos, monsieur, ça, et bien, gens que, et nous, on a dit, c'est les policiers Laurent Lodisson, de l'unité Bord, et de la police nationale, est désormais recherché par cette victimité pour avoir détourné une cargaison d'armes et de munitions en faveur des gangs du recherché innocent vite l'homme. Et bien, ce dernier était le responsable de la communication de toute opération menée par son unité. Il faut que nous nous disions que si nous avons un citoyen ça, ou bien voler ça, que nous les policiers ça, j'ai regardé là, et de tous côtés que nous-mêmes nous voulons, et bien, réformer la police, et bien, si que la police pas bien nous a arrêté lui, marié lui, et bien pour que M. Bouen travaille explication, et côté que lui-même lui prend toutes les cartes et armes avec munitions, et bien monsieur, à côté d'un groupe gang paréla qui a optimisé la population haïtienne. N'a avancé. Oui, et en même temps, mesdames, messieurs, moi-même, j'ai inquiétude, parce que nous avons gardé pour nous, et longtemps, vous mettez à vie de recherche de la police comme ça, c'est souvent, ça part souvent par résultat. Parce que n'a regardé jusqu'à maintenant supposément et n'a qu'à vite l'homme, il a cherché vite l'homme, il y a pas jeune vite l'homme. Nous justement Badjo qui a vite de recherche d'elle mesdames messieurs. Pourtant sans dans pays en lié, il y a pas jeune ni. Mais qu'on y a là, yon police dans dimension ça nan niveau ça, nous tant de gain vite de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur en dans pays en la promener, la marcher comme si rien n'était. C'est même bagarre là. En tout cas, nous espérons que y a prendre mais Nous ne pouvons pas finir tout de suite. Soit là, l'école Jamaïque ou bien, pas même au sein de la guerre pour quitter l'école de Bouddha Baïdé, on ne sait jamais. Mais pendant la continuité, on verra bien pour la règle des commandes. Oui, n'a pas avancé dans le cadre d'information censé abdonner actualité à, et bien, n'a pas monté la caille au niveau de Port-au-Prince directement à Bukul, quand nous fermons et l'école, par l'un ou qui a plein, et bien, les vieux, si même si, et a souffri et de monter en puissance des gangs armés dans les pays. Dans le pays, notamment de la capitale haïtienne, non sans conséquence sur le fonctionnement des écoles privées et publiques entre risques et menaces et de certains établissements scolaires privés, nous avons une obligation pour faire n'importe quoi et bien pour capable de prendre couillot en ligne en situation qui dérange par ailleurs et qui plonge et de lui-même dans le désespoir. Et bien, dans l'acte du mercredi 13 mars 2023, information qui fait quoi? Et que, en finition scolaire, lui-même, il recevoit enveloppe, qui se tient de côté, et chef gang, à l'intérieur des enveloppes-là, il joint nos cartouches, et puis, en correspondance, qui intimide, et yo, l'ordre, plus capable, avec responsable, et yo, les policiers, qui ont versé, et bien, en pile, l'argent, chaque mois, pour capable, continuer, et fonctionner, dans une zone, qui a pas trouvé, au niveau des juridictions, yo, et bien, dans la foulée, le cas de kidnapping, a même supprimé, dans la capitale-là, au point que, parents, yo, accompagnés, avec qui nous avons enlevé par des individus armés certaines fois, et de ce n'est pas là que l'établissement scolaire. L'établissement scolaire qui est même pris entre deux feux, affrontement entre deux rivaux, et puis incidence et bien, sous fonctionnement écolier dans le quartier Sayo. Et bien, abouqué dans l'école, congréganiste, et bien, qui est chita au niveau de la ville. Et par exemple, nous rapportons qu'il y a un élève qui était atteint d'un projectile en pleine salle de classe, et bien, dans une telle ambiance responsable avec l'élève. Et bien, c'est le personnel établissement, eux-mêmes, ils étaient obligés de mettre à couvert pour éviter le pire. Et des institutions scolaires ferment leurs portes, et bien, ils ne sont pas capables de résister avec la pression bandit à mieux.
il y a plusieurs établissements scolaires qui doivent, qui sont obligés de fermer les portes, et bien pendant une minute que n'a pas le là pour continuer avec nous en ligne, en situation qui risque de créer un déséquilibre, et bien dans le cadre du processus d'apprentissage élève, puisque chaque famille fait face à une réalité en termes d'infrastructure technologique et de pour adapter ensemble avec réalité ça y est. En plus, les parents qui ont même déçu face avec réalité ça y est, pareil aussi, on sent qu'ils ont même abandonné par les autorités étatiques. Le gouvernement Ariel Henry n'a pas dit, on est vivre de mourir. Et bien, selon certains, et le gouvernement lui-même, il n'a pas gagné aucune action pour capable de prévenir la situation ça y est. Et il y a un parent qui dit que lui-même, il a déjà payé toute l'argent scolaire pour critiquer. Et puis, écoutez, en pile l'argent, comme c'est une bonne école, ma fille arrive quand même à apprendre quelque chose. Mais, reconnaît-il des élèves qui, eux-mêmes, par exemple, fréquentent une bonne école, ils sont désolés, eh bien, il y a un parent qui vient qui t'a parlé au niveau des zones Pétionville. Et Junior, qui lui-même, qui vient depuis l'éduquer établissement scolaire, a annoncé fermeture et des cours en présentiel, et bien, pour cause insécurité, et des poursuites à faire en ligne. Et bien, monsieur lui-même l'a plaint, il dit qu'il n'est pas disposé d'infrastructures technologiques adéquates pour capable faire face avec nouvelle réalité, ça, il fait appel avec autorité pour capable assumer responsabilité, yo. Et l'école privée, yo, qui même, yo, désespéré, et bien, yo, dit, pas capable de vivre dans le pays, ça, en pleine salle de classe, et bien, on dit que, et nous, après tant de deux balles qui a chanté, et des personnes par la bouche, et ça que, nous, cadres, qui sont jeunes, de 17 ans, qui sont en classe terminale, et côté que les établissements scolaires, ils ont été trouvés, et bien, environ Port-au-Prince, ils dit crainte quant à la réussite de cette année académique. Et pour sa part, Tamar, ils ont élève de, du secondaire NS1, secondaire 1, et bien, ils dit que la situation sera qui séparait avec camarades, ils ont bien, en pile, et avec lesquels ils se développent une très bonne collaboration, mais ils ont mis eux, ils ont même manqué en réalité, mais moyen pour qu'elle fasse face avec une nouvelle réalité, ça y est. Pour arriver limité, et bien, pendant une rencontre qui était faite entre le ministre de l'Éducation nationale, là, et puis, le ministre de la Justice, là, et bien, deux autorités, ça, eux-mêmes, qui, ils ont rencontré avec le responsable de la police, ils ont demandé que eux-mêmes, ils sont capables d'assurer la sécurité, et les deux, ainsi que l'établissement scolaire, et en présence, que nous sommes capables de dire qu'ils constatent devant certains établissements scolaires, et bien, pendant jour, ça, et bien, c'est une situation, et qui, et bien, c'est pas même, le problème là, la bouquet, c'est en pile et monde qui a plein de situations et qui vient là même au niveau du département la Tibonée, des liens pour Verrette, ensemble avec Tibonée de la Tibonée, en pile, élèves à plein, pour qu'ils soient capables de perdre année scolaire, et bien au niveau des zones sardines et des zones sardines, on ne peut pas jamais aller à l'école à cause de groupes gangs sardiens qui a pris les populations, en groupe gangs encore, c'est pourquoi à Tissanras, côté que d'un pile, élèves, au niveau de communes, les stères qui ont même les gagnants, et en pile, qui est sauté, et bien, pour bon Dieu, même, il n'y a pas appelé, parce que c'est bon Dieu, qui a kidnappé les parents, en prenant le cas, côté que mon la machine, et bien, bon Dieu, était machine, et de choisir, on est kidnappé, lui, là, en basé, au son de la police, malgré que pendant une année, il y a des gens qui ont un chat qui a fait monter des cendres, et sur le national, là, et bien, ça permet de gagner, et bien, et bon Dieu, même, yo, et pas capable de faire ça, au contraire, mais comme ça, nous, dans plus de jeunes qui ont été occupés zone monio, côté qui eux-mêmes, ils ont appris une vie d'IA, et bien, c'est mon machin de saline qui eux-mêmes qui a pris un mauvais moment avec le groupe de Coco Atara, qui eux-mêmes qui a kidnappé eux-mêmes. Et nous, avancé au niveau de Delma 75, et bien, il y a un prisonnier de braqueur qui est tué par balle à Delma 75, un jeune homme qui n'a pas identifié, ni tué par balle. Et bien, par des agents de la police nationale, et bien, journée lundi 13 mars 2023, dans Delma 75, plus précisément, et bien, dans une zone dénommée, et Catalpa, c'est parce que, après nous, aux environs de 6h de cet après-midi, et bien, des policiers ont tué par balle un présumé braqueur dont le nom est inconnu à Catalpa et passe violette. Et bien, d'après, on sous-dit de confiance, et armé cet individu abattu avec l'habitude de braquer des personnes qui fréquentent la zone, c'est ça que nous apprenons. Parallèlement, des policiers ont interpellé et de lui, Yvon Glen, et avec tous ses enquêtes pour trafic illicite de sécurité et des à bon repos, ça a dépassé le 13 mars 2023. Information
est censé dominer l'actualité, et bien, n'a pas monté rapidement plus tôt, et bien, au niveau de Miragouane, et bien, n'a pas que, au niveau de Miragouane, bien, Bouche Pagou, un pays qui est à Miragouane, là, et qui c'est madame et Myriam Loiseau, qui lui-même lui demandait commissaire Muscadet pour ressaisir lui. Et bien, madame Anne-Myriane Loiseau dit commissaire, pas qu'a arrêté aucune police municipale, Miragouane, là, dans le seul coin, là, après commissaire a été fait quoi. Et bien, c'est un policier Myria qui a tiré gaz lacrymogène sur tout le monde et qui lui-même a pris service et la bio-immigration à Guadeloupe samedi passé. Pour que ça fait qu'on ait si on a besoin de tirer gaz, c'est là, et bien, pour le venir, et bien, chef président lui-même, il désespoir et a arrêté le policier qui a tiré gaz lacrymogène là quand même. Et bien, la question, on entend qu'il voulait entre Maïssa Myriam ensemble avec un commissaire Muscadet parce que. Qui dit pas ici à lui-même, lui, peu importe, et comme il se l'a, parce que grand